Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Camille Riwell et voici les titres. Un appel à la purge lancé sur les réseaux sociaux contre les policiers. La pénurie de médicaments s'aggrave en Guadeloupe. Et enfin, victoire de l'USR pour la 7e journée de Régional 1. Après la métropole et la Martinique, c'est au tour de la Guadeloupe de recevoir un appel à la purge. Cet appel lancé sur les réseaux sociaux vise les policiers guadeloupéens. Un sujet qui fait débat parmi les jeunes. Reportage de Marius Mathieu. C'est le débat du jour. À la pause déjeuner, ces étudiants échangent sur ce phénomène aperçu ce week-end sur les réseaux sociaux. Un appel à la purge, autrement dit, une invitation à la violence sur les forces de l'ordre. Pour Nathan, c'est l'incompréhension. Certaines personnes veulent la purge plus pour se venger de certaines forces de l'ordre. Et c'est pas vraiment une bonne idée parce que ce ne sont pas tous les policiers qui sont de mauvaises personnes. Sans surprise, ces appels à la haine ont rapidement été relevés par le parquet de Pointe-à-Pitre. Même si aucun fait d'armes n'a été directement imputable à la purge, le procureur de la République a tenu à prendre les mesures nécessaires. Nous avons été saisis vendredi dernier par le fait qu'a été porté à la connaissance du parquet effectivement des messages qui étaient véhiculés sur certains réseaux sociaux. L'enquête est en cours, bien évidemment, vu l'identification des auteurs. Je rappelle que force doit rester à la loi. Et, les policiers, les gendarmes en Guadeloupe, exercent dans des conditions particulièrement difficiles. Vous connaissez le niveau de délinquance, même si des progrès positifs ont été faits en la matière depuis quelques années. Mais ils sont là pour aider nos concitoyens, pour préserver la sécurité publique et également pour tout faire pour que la paix, et la paix sociale, l'ordre public soient maintenus sur cette île. L'enquête se poursuit pour identifier les auteurs de ces publications menaçantes. Les peines encourues pour violence sur les forces de l'ordre vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. C'est officiel, depuis dimanche, la Nouvelle-Calédonie reste française. Les habitants se sont dit favorables à plus de 56%. En Guadeloupe aussi, la question d'indépendance apparaît dans les débats politiques, mais la situation est bien différente. C'est en tout cas ce que nous explique Didier Destouches. On l'écoute. La situation juridique institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, sans parler de la situation sociétale, est différente de celle de la Guadeloupe. D'abord, la Nouvelle-Calédonie, bien, c'est un pays d'outre-mer qui a, de point de vue institutionnel, des compétences relativement larges, notamment un partage de la souveraineté avec l'État français, tandis que toutes les règles applicables en France hexagonale sont applicables de plein droit, sous réserve de quelques adaptations éventuelles, en Guadeloupe. En Nouvelle-Calédonie, nous avons eu un processus de plus de 30 ans qui a mis fin, en tout cas par le résultat, qui a mis fin en fait à des débats politiques visant à savoir si la Nouvelle-Calédonie aurait plus de souveraineté et accéderait à l'indépendance ou pas. Tandis qu'en Guadeloupe, il y a eu un processus référendaire visant à savoir s'il y aurait une évolution institutionnelle en 2003 et la Guadeloupe a choisi de rester dans le cadre département-région. Néanmoins, la question de l'indépendance, comme la question de l'autonomie, comme la question de l'approfondissement de la départementalisation, sont des questions éminemment juridiques institutionnelle et partant, elles feront toujours partie à la fois du débat démocratique, mais également du débat juridique et statutaire. Des médicaments introuvables en pharmacie et bien souvent indispensables aux patients. Le cri d'alerte est lancé par des associations de malades et des médecins. Ils réclament un plan d'action urgent de la part du gouvernement, un plan pour mettre fin à la pénurie de médicaments. Les rayons débordent, mais derrière, les stocks sont presque vides. Traitement de Parkinson, anticancéreux ou encore vaccins, la pénurie de médicaments s'aggrave en France. En septembre dernier, l'Ordre des pharmaciens dénombrait 400 médicaments en rupture d'approvisionnement. Dans cette pharmacie guadeloupéenne, la situation se répète. On a certains produits qui nous manquent depuis déjà plusieurs semaines. On a des produits qui sont en rupture ponctuellement, puis qui reviennent, puis qui repartent. La Guadeloupe, c'est un peu particulier parce que bon, déjà on est une île et les grossistes fournissent les médicaments en fonction des demandes des pharmacies.
Donc suffit qu'on ait un médecin qui vienne d'arriver, qui prescrive un médicament qu'il a l'habitude de prescrire en métropole mais qui n'a jamais été prescrit en Guadeloupe, et là on peut avoir des difficultés pour l'avoir. On essaie de trouver des solutions, sinon on change de médicament. Trouver les bons médicaments, pas toujours évident, et pour certains, cela est devenu un vrai parcours du combattant. C'est le cas de Nicolas, papa d'une petite fille diabétique. Tous les 15 jours, on lui met un dispositif médical sur le bras qui sert à lire ses glycémies. Et on a des problèmes à récupérer ce capteur ici dans les pharmacies parce qu'il y a des ruptures de stock. Pour pallier à cette pénurie de capteurs, on commande directement les capteurs chez le fabricant. Ça représente 120 € par mois. Donc qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, alors que quand on va à la pharmacie avec notre ordonnance, ces capteurs sont délivrés et on ne paye pas de notre poche en fait. Se soigner à tout prix face à la pénurie, depuis 2008, le nombre de médicaments concernés a été multiplié par 10. Ce week-end, l'UNA recevait l'USR pour la 7e journée de Régional 1. Après leur défaite de la semaine dernière, les Saint-Rosiens devaient se rattraper. Grégoire Trudman a suivi pour nous la rencontre. Ce samedi, l'UNA accueillait sur sa pelouse des Abîmes l'USR de Sainte-Rose. Un match comptant pour la 7e journée du championnat de Régional 1. Du côté de l'USR, c'est victoire obligatoire après leur défaite la semaine dernière face à l'Arsenal de Petit-Bourg. Mais les joueurs de Lunard entrent sur le terrain avec un esprit de revanche, défait 4-0 par les mêmes hommes sur cette même pelouse il y a 2 semaines en Coupe de France. Ce sont les joueurs de l'USR qui se montrent les plus dangereux dès le début du match. La pluie rend les conditions de jeu très compliquées, le terrain est glissant et les fautes s'accumulent. La libération viendra de Ronaldo à la 65e minute de jeu, mais l'attaquant de l'USR se blesse sur sa frappe. C'est un coup dur pour les Saint-Rosiens qui perdent une pièce maîtresse de leur effectif. Malgré de nouvelles tentatives de chaque côté, on en restera là. 1-0 pour l'USR, une victoire difficile, mais l'essentiel est assuré. Écoutons maintenant Gilles Dan, attaquant de l'USR. On a eu une contre-performance le week-end dernier face aux leaders, donc on avait à cœur de se remobiliser rapidement pour refaire notre retard. C'était un match très compliqué, dans des conditions pas évidentes, mais ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est l'envie des joueurs et les 4 points qui étaient importants pour nous. C'est en effet une bonne performance pour l'USR qui se rapproche de la tête du classement. De leur côté, Lunard doit encore travailler s'ils veulent rester en Régional 1 la saison prochaine. Et après le football, je vous propose maintenant de jeter un œil sur la route du Rhum avec le classement provisoire des skippers. Dans la catégorie des ultimes d'abord, c'est toujours François Gabart qui tient la tête de la course. Il compte 25 000 nautiques d'avance sur Armel Lecléache, lui-même suivi de près par Francis Joyon à 27 000 nautiques. Et enfin Thomas Coville qui lui est à 67 000 nautiques du leader. Dans la catégorie des multi-50, c'est Lalou Roucaillol qui est en tête. Et après, tout se joue dans un mouchoir de poche entre Gilles Lamiré à 27 000 nautiques, Armel Tripon 33 et Thierry Bouchard lui aussi à 33 000 nautiques du leader. Enfin, dans la catégorie des IMOCA, c'est l'anglais Alex Thompson qui a réussi à prendre la tête de la course devant Vincent Rioux qui est à 19 000 nautiques. Juste derrière, Paul Mella à 20 000 nautiques et enfin Alan Roura qui lui est à 47 000 nautiques. La météo ne sera pas du côté des skippers et sur terre ce sera la même chose. La Guadeloupe est en vigilance jaune pour fortes pluies et orages depuis ce week-end. Des intempéries qui devraient se poursuivre jusqu'à mardi soir. Des risques d'inondation sont à prévoir sur tout le territoire. Et c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un appel à la purge lancé sur les réseaux sociaux contre les policiers. La pénurie de médicaments s'aggrave en Guadeloupe. Et enfin, victoire de l'USR pour la 7e journée de championnat de Régional 1. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.